Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 2, 150 tentatives exo, c'est le mercredi, vous connaissez, c'est le troisième là qu'on enchaîne, troisième mercredi avec les tentats exo, vu la chance qu'on a en ce moment, on a la motivation, forcément, j'espère qu'on va avoir autant de chance que la dernière fois, vous avez été masé, encore une fois, merci beaucoup pour les retours, ça fait très plaisir, vous avez été pas mal notamment à discuter du Volcorn, le fameux Volcorn, on va en parler directement, allez, les ventes de la dernière fois, on avait passé 3 exos, rappelez-vous, dont notamment, voilà, le Volcorn 5% crit, où je vous disais, allez, à combien vous l'estimeriez ce fameux Volcorn que j'ai vendu finalement 35 millions directement, j'avais mis à 35, vous étiez pas mal à me dire ouais, t'aurais dû tenter 40 plus, j'étais assez d'accord avec vous et je pense que ça l'aurait fait, mais ne vous inquiétez pas, il y a une petite compensation, il y avait aussi, on avait regardé un petit peu léger de la bac corrup qu'on avait passé aussi, et j'en avais repéré un à 19 M5, je vous avais dit j'achèterai, je revendrai, justement sur la preuve de vente, c'est cette bague là de corruption que j'ai revendu à 24 M5, donc j'ai fait 5 millions de bénéf en plus là dessus, donc voilà, ça compense à ce niveau là, et puis il y a la bague de corruption que j'avais également passée qui est partie à 25,5. Il y a la bague Triton par contre qui n'est pas partie, elle. Donc pour l'instant, voilà, elle reste tranquillou, c'est pas très grave. On est du coup reparti avec tout ça, nos anneaux, nos brisages. Aujourd'hui, vous savez ce que je sens? Je le sens bien comme ça. Je sens une tente à brisage qui passe et un anneau. Voilà, en 3, c'est quand même compliqué. Mais voilà, je vois bien un petit doublé comme ça avec... Le petit brisage, ça fait longtemps qu'on en a plus. Là, les deux dernières fois, on en a plus. Je sais pas si on a... Ouais, je crois qu'on en avait eu la toute dernière fois avant la pause. Bon, voilà, pourquoi pas, ça ferait toujours plaisir. Donc, on y va. Les arts volcans n'ont pas voulu. Les petits cacs. Allez, allez. En tout cas, les litolocs, hein. Ça fait tellement plaisir. Vraiment, ça me motive. Hein. Moi, tu me donnes à chaque fois des exos comme on les a eu les deux dernières fois. Ça me motive pour les vidéos, en plus avec vos retours derrière, là vous avez été vraiment un paquet, là, il y avait 3 fois 5 millions à gagner, on fera le tirage à la fin, vous avez été un bon paquet dans les commentaires à participer, donc on verra ça juste après, j'espère encore une fois vous mettre pas mal de kama en jeu. En tout cas, les 80 millions qu'on avait eu la dernière fois, on les a quasiment validés, manquait du coup la bague Triton qui n'est pas encore partie, mais pas très grave, ça peut attendre, on verra bien, on n'est pas pressé. Et du coup, on a repassé tranquillement les 500 millions. Ça, ça fait plaisir. Alors, pas de ceinture. Ok, alors ça sera sur le costume si une tenta brisage passe. On espère. Voilà, ça prend toujours un peu de temps, mine de rien, les tenta brisage. Je finis toujours par celle-ci sur les remontées. Mine de rien, ouais, ça prend toujours du temps. Je fais toujours les bons petits jets pour qu'on ait un maximum de chance. Parce que sur les brisages, bon... Voilà, je pense que vous pouvez regarder les 5 derniers faciles. J'ai tout raté, donc bon... J'essaye quand même ouais, d'optimiser mes chances. Allez, s'il vous plaît, la carapace... La corne. La carapace s'est ratée, la corne de Torquelonia peut-être. Dofus. Après moi, vraiment, depuis qu'on a fait ce bail là, de faire les tentes à brisage en premier, si derrière c'est pour que les anneaux passent, moi je signe sans fin, hein, je préfère, hein, même si bon, j'aime bien faire le brisage, c'est toujours sympa en vidéo, mais c'est bien plus rentable forcément que ce soit des petits anneaux qui passent. Et pourquoi pas des gros jets comme on l'a eu la dernière fois sur ce fameux Volcorn. Franchement, c'était tellement trop bien. Genre, je vous disais, je pense que vous l'aviez vu, mais c'était genre trop bien. Bon, pas de brisage finalement, je sentais le tenta à brisage, non? J'espère qu'on aura moins un anneau. On y va du coup, toujours avec le petit délire des PM puis PA après. Donc on commence avec les tenta PM sur les petits pas de greffe. Un beau pas de greffe du coup, là d'ailleurs. Je fais jamais attention, genre, ce jet, j'aurais peut-être plus le tenta en PA. Je les mets dans ma dinde et je regarde pas forcément trop les jets. Donc là, bon, on a un très beau jet pour une tenta PM, bon. Voilà, pourquoi pas. Au moins, vous savez quoi? Genre, quand on passe les tentes PM, on n'est pas en mode, bon, là, c'est les tentes nuls. Voilà, là, à tout moment, il peut y avoir des bons petits jets. Et justement, ouais, je vous disais, la dernière fois, on a eu le Volcorn, très bon jet, qui était parti. Encore une set 2 de The Cree. Et ben justement, on en a encore pas mal dans cette vidéo. Et si ça passe sur des gros jets, franchement, ça motive. Ça motive, là, encore une fois, cette retrait sur celui-ci. Cette retrait, regardez ce jet perf. Oh là, non, mais là, c'est un PA. Là, c'est un PA, les gars. J'ai pas le droit. Je le garde. Je le garde, on le tentera après. Non, non, là, ça fait trop. On a vu déjà pas mal de pas de greffe, set 2 de The Cree. On va se garder l'autre pour après. Du coup, il faut que j'en fasse encore une autre. Faudra que je remonte chercher l'alliance de corruption pour le PA. On verra après. On continue. Ah, lui, il est pas signé. Bah, c'est quoi? Je vais quand même le signer. J'avais acheté parce que bah, du coup, il a fallu en remplacer. Pourquoi pas? On signe en même temps le PM. Non, c'est pas grave. Je signerai plus tard. Allez, s'il vous plaît. Petit exo. Petit exo pour bien commencer la vidéo, Dofus. N'hésite pas. On a notamment, je crois que c'est un Nano Russ avec un bel overvita en 10 esquives. Genre, je crois que j'avais crit, vous verrez après. J'avais crit à la fin sur la Ravi. Alors que... Non, je sais plus ce que j'avais fait, mais un Nano Style, vous verrez. Ça peut être sympa. Allez, cru-cru, pas de cru-cru, nos amis des convoitises. Pour un PM.
Après, si pareil, on a plus de chances pour le PA, même si un petit PM, on prend toujours. Peut-être le jour du 16, aujourd'hui, on l'attend toujours lui aussi. Les petits VV. Bon, lui, j'en ai un stock. Pas forcément très important que ça passe sur lui. Ok, les cestes, c'est parti. Les cestes. Et d'ailleurs, oui, là, regardez, on en a un en récré à tenter. Faudrait que je le fasse avant. Allez, le 16, s'il te plaît, le 16. Allez, on tente maintenant, du coup. Avec un beau 60 d'intel sur ce cest là. Allez, 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 allez. Dommage, c'est pas grave. Une nouvelle bac triton PM, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Je disais ça, histoire qu'il se passe quelque chose, mais genre, j'en avais déjà une et j'en voulais pas spécialement. Là, au moins, il y a le 15 d'eau pou. Bon, toujours, je disais, je fais le 19 d'eau cri minimum. Le 15 d'eau pou peut de temps en temps, comme ça, se caser. Et pourquoi pas. Bon, bah, deux Magdriton, du coup, que j'aurai en stock en AGV. C'est cadeau, on prend. Ok, 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 on commence tranquillement. J'espère en voir un autre, du coup. Mais c'est bien, c'est bien. C'est déjà ça de fait. 5 millions déjà à gagner pour vous. Dans les commentaires, on continue. J'aurais aimé que ce soit un 20 d'ocri, tu vois, à la limite, c'est pour me redonner une bague triton. Ça, on va pas faire les mecs, c'est déjà cool. C'est... voilà. Ça fait plaisir. Au moins, on voit quelque chose dans ce début de vidéo. On continue sur les bagues de corruption. Après, on a la Norèche. Je change toujours aussi l'ordre des anneaux. Voilà, pour le fun. J'essaie de mettre les anneaux un peu moins bien, enfin, de les répartir avec les anneaux un peu plus sympas, comme par exemple les bagues de corruption. Bagues de corruption, franchement, c'est... vous l'avez vu, de toute façon j'en ai vendu deux, donc c'est toujours très cool. La Norus, voilà, c'est la dernière tentapem qu'on fera. Sur lequel on a un beau petit G. 470, non. Et la dernière tenta, la voici avec 39 d'over, sauf que cette fois-ci il y a le 10 esquive qui est du coup assez cool. On est parti. Pas d'exo, dommage, pas d'exo là-dessus. Donc on est parti pour les tenta PA, les 50 dernières tenta restantes. On y va sur les petits pads. Allez, un petit deuxième et on est... on est content, on est bien content. Après, bon voilà, on sort de beaucoup de chance. Là, on a un autre set de 12 de cri. Cette fois-ci pour la tenta PA. Non, dommage. Ça, c'est toujours la régalade aussi. Hein. Et on en a un autre. C'est pas beau ça? Plein de beaux petits jets. Dommage, pas aujourd'hui. Les alliances de corruption cette fois en PA du coup. On va aller rechercher l'autre qu'on a vu en G-perf. Il manque un peu de vita, je crois, avec l'over de. Il est où? Voilà. Ici, il manque 2 de vita, over, 1 de force. Ça, ça ferait plaisir. Dommage, les Volcorn, nos amis Volcorn. Pas de 5 crit aujourd'hui à signaler, je crois. Hein. Des beaux, là, par exemple, un beau vin d'eau qui ferait plaisir. Encore un autre. Non. Et on a un autre vin d'eau qui nous attend. Il est là, c'est un attentat. Non. Les cru-cru, les cru-cru, les cru-cru. Ça fait longtemps que j'ai plus passé de cru-cru. 10 Red PA. La 10 tac. Voilà, je savais qu'il y avait un truc comme ça. Et le reste, c'est du 9-9, tranquillou. Ok. Ok, non, les convoitises. De toute façon, en ce moment, même sur rétro, je sais pas, je vais rien dire. Je vous jure, dès que je parle d'un truc, dès que je commence à parler d'un truc, boum, il y a l'exo, il vient et me fait « Tais-toi, je suis là !» Trop bien, trop trop bien. Et encore une fois, en plus le G, regardez, 350, 48, 28. Le G est trop clean, super, et notre ami l'a combattu, trop content. C'est un des anneaux, pareil, un de mes préférés, un de mes favoris, vous l'avez vu, je l'ai déjà dit les dernières fois, mais trop cool, trop trop bien. En plus le G, vraiment, hein. Les stats sont maxés, 300, ça fait trop clean, trop bien, excellent. Qu'allais-je dire, j'allais dire, même sur rétro, je sais pas si vous l'avez vu, si vous suivez les vidéos rétro, il y a une dernière vidéo exo là, il s'est passé des trucs quoi, après voilà, donc trop bien. Non, en ce moment, la régalade les gars, et ça va être un exo encore une fois qui va valoir la bonne vingtaine, donc ça fait plaisir. On verra ça à la fin de la vidéo, on fera encore une fois les petites mises en vente, donc on continue, nous reste de quoi espérer un troisième exo. Est-ce qu'on va le refaire? Est-ce que ça serait pas incroyable? Un très beau ici. Ah mince, tenta PM, je l'ai pas vu, je l'ai raté totalement. Regardez, 348 ce G, en plus c'est insane, hein. Encore une fois, je vous disais qu'il y avait quelques bons G qui se glissaient, quelques très bons G comme le Volcan de la dernière fois. Bah là on a un VV, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, avec un bel over vita et tout perf. Donc ça c'est une tenta du coup PM en plus, tant pis, on rate une tenta PA, mais je pense que on est tous ok pour la faire, hein, cette tenta. Du coup je crois que ça va tout remettre dans l'ordre. Bon c'est pas grave, on en était là du coup sur les petits VV. Et regardez ce G, il manque un de sagesse et un over de 48 vita. Ça c'est insane. Ça, j'aimerais. Ça me ferait vraiment plaisir d'en passer une fois. Pas aujourd'hui. En tout cas, on continue. Ça se passe très très bien. Pas de soucis, les petits VV.
Donc ouais, je vais continuer de parler d'autre chose, histoire qu'il y ait un autre truc qui se passe. Alors attends, les 16, c'est à partir de là? Non, de là. 4, attends. Ah oui, vu que j'avais une tente en plus. Donc là, on est parti, un 60 intel. Allez, les 16, on vous attend, les gars. Vous aussi, je sais pas ce que vous attendez pour passer. Faites comme vos potes en ce moment, j'ai la chance apparemment. Donc n'hésite pas à venir t'inviter à la fête, tu es le bienvenu. Je sais pas comment ont évolué les prix des 16, si c'est toujours très cher, mais il n'y a pas de raison, je pense que oui. Je vais partir de la fin, ce sera plus simple. Donc allez, une nouvelle Bacriton peut-être? Est-ce qu'on va enfin avoir la fameuse Vindocry dont je parle à chaque fois? Celle-ci peut-être. Évidemment que non. Les bagues de corruption. Ah là là, quel régal, Exo. Quel régal, Exo, en ce moment. Ça fait plaisir. La petite bague, c'est fini. Et il va nous rester les petits rusts. Bon, j'avais dit deux exos, dont un sur brisage. Ça n'a pas été le cas, mais au moins on a deux exos. Donc ça fait plaisir. Peut-être le troisième. Attention, c'est pas fini. On y croit. Encore deux tentas. 69, 36 ici. Et pour finir, un beau 70. 38 sur le Russ en PA, ça ne passe pas. Bon, et ben encore 5 millions x 2 à gagner. Pour la prochaine fois, on va d'abord aller se diriger vers l'HDV pour mettre en vente notre convoitise et notre Bactriton du jour. Bon, la Bactriton, du coup, on en a déjà une, donc ça va être à peu près la même chose que la dernière fois. Mais par contre, pour la convoitise, avec les belles stats, je pense que je vais essayer de me faire plaisir. On va voir ça, je vais vous montrer, et on se dirigera pour le tirage au sort de la dernière fois, juste après. Bon, bah les gars, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est ce que j'aime bien avec cet item-là. Mais j'ai le meilleur GHDV. Donc ça fait vraiment plaisir. Genre là, il y a un bon petit GH27, il y en a plusieurs bons. Mais par exemple, là, il manque la passa, il y a quand même l'esquive en plus. Donc c'est pas mal. Mais genre, bon, voilà, nous, on a le perf chance à côté qui régale, le perf vita aussi. Et 3 sagesses de plus, hein, c'est quand même pas rien. À côté, on a quoi? On a, voilà, ce genre de gemmes. Franchement, ils sont clean, mais on a quand même mieux. Et j'ai envie de me faire plaisir. On va tenter un 28-8, je pense. Tranquillou, voilà, pour ces très belles stats. C'est pour récompenser les très belles stats de la convoitise. On va le tenter comme ça, on se fait plaisir. Donc voilà, toujours la Bactriton de la dernière fois qui n'était pas partie, qu'on avait eu comme ça. Qui est un peu moins bien que celle qu'on a passée aujourd'hui. Donc, bon, je pense pas tenter beaucoup plus, hein, voire quasi même pareil. Je sais pas, je regarde, je vous dis. Ok, donc pour la Bactriton, on va partir sur du 17. Parce que, bah, il y en a plein déjà. Et puis, il y a à peu près équivalent. Genre là, même là, 16M5, il y a un bon petit G-over. Voilà, il n'y a pas le 15 de poule, mais il y a l'over qui est assez cool avec la sagesse qui suit bien et tout. Donc ouais, il y a à peu près de l'équivalent de partout, là, des 17M, regardez ce genre de G. Donc. On va mettre à 17 du coup, et puis l'autre, je vais même le redescendre à 16M666, parce que sinon, ça va galérer à partir. Donc voilà, je fais ça, et puis le deuxième du coup, toc, on peut tenter à peine plus. Voilà, pour le 15e de poule, mais ça fait pas non plus énormément de div, donc voilà, 17, ça sera déjà OK. Voilà. Du coup, bah, ça nous fait une vidéo à potentiellement, donc à 46 millions environ. Et là, c'est les petits items de la team de zéro que j'ai revendu qui partent tranquillement. Voilà, c'est mignon, ça fait des gamas. Voilà, du coup, je vous mets directement le tirage. Vous avez été un bon paquet à participer, comme je vous disais. Vous avez été 321, donc bonne chance à vous. Il y a 3 tirages, donc vous avez quand même pas mal de chance de venir remporter 5 millions sur Hush comme vos nombreux prédécesseurs. Là, jusqu'à là, ça fait un petit moment qu'on fait ça. On vous régale, je vous partage ma chance sur l'exo. Donc, on est parti pour notre premier gagnant, et ce sera Serkan. Serkan, le comeback fait plaisir, G pour la luck. Merci à toi, GG, pour des 5 millions. Donc pareil, vous, comme d'hab, hein, vous répondez dans les commentaires, vous mettez votre pseudo sur Rush et on se capte au plus vite. Donc Serkan qui est notre premier gagnant. Le suivant, ce sera, je ne sais pas, c'est Kay. Titon. Titouan Conja, ok, salut, je suis nouveau, TFM sont remarqués, bah un nouveau, encore une fois, GG à toi, également, pareil dans les commentaires, et notre troisième gagnant, ce sera Grizzly Inc, GG, GG à toi aussi pour les 5 millions. Voilà les gars, donc on se donne rendez-vous peut-être mercredi prochain, en tout cas n'hésitez pas à participer dans les commentaires pour gagner les 2 fois 5 millions de la prochaine fois, je vais, hop, repartir sur Dofus. Et je vous dis bah merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, merci pour les soutiens. D'ailleurs, on a passé les 16 000 abonnés. Voilà, on essaye de faire plein de vidéos, de se régaler et tout. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A plus tout le monde.